Bonjour, mais à quoi sont exactement supposées servir les ordonnances réformant en profondeur le code du travail? À faire enfin baisser le chômage, paradoxalement en permettant de licencier plus facilement, ou seulement à satisfaire des revendications anciennes du patronat et des partenaires européens de la France, à commencer bien entendu par l'Allemagne? Alors, question que nous poserons au cours de cette émission spéciale, spéciale parce que nous l'avons co-préparée avec le magazine Alternative économique que vous représentez sur ce plateau, Sandrine Foulon, et c'est Bonjour pourquoi Adam. c'est vous qui allez présenter nos trois invités du jour. Et oui, pour parler de toutes ces questions, nous avons invité donc Anne Hédoux, qui est Bonjour. économiste, bonjour, membre du collectif des économistes atterrés. Vous êtes spécialiste des questions du travail au Centre d'études de l'emploi et du travail associé au CNAM. Cyril Vollemarc, alors Bonjour. bonjour, vous êtes professeur de droit à l'université Paris-Nanterre, donc évidemment spécialiste de ces questions. Et vous avez lu pour nous les 60 pages de ces ordonnances. Un peu plus de 60, en effet, oui. 160. Ah, 160, oui, c'est beaucoup oui, plus 160. De 60. Et Anthony Gratacos, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant, vous dirigez une entreprise, une PME d'une vingtaine de salariés dans la banlieue parisienne, que vous dirigez avec votre père, avec qui vous êtes associé. Et vous allez nous dire si justement le contenu de ces ordonnances vous convainc, est-ce qu'elles vont changer des choses dans les relations de travail avec vos salariés? Alors la PME, je le précise tout de suite, c'est une PME qui fait du transport et de la logistique et qui est basée à l'aéroport de Roissy. De Roissy, voilà. Charles de Gaulle, oui. De Roissy, une vingtaine de transport salariés. Collectif et parking privé. Et parking privé, voilà, comme disait Sandrine. Alors bon, on va faire à la fois dans cette émission de l'alternative économique et de l'arrêt sur image, c'est-à-dire qu'on va souvent, pour essayer de comprendre le contenu de ces ordonnances, on va souvent partir de la manière dont elles ont été vendues dans les médias, à commencer par leurs auteurs eux-mêmes, c'est-à-dire le gouvernement. Et pour lancer le débat, je voudrais qu'on revienne tout simplement sur la dernière prestation du Premier ministre Édouard Philippe sur France 2. C'était la semaine dernière. Il venait donc expliquer le contenu de ces ordonnances. Et il y a un ou deux mots qui sont quand même revenus assez souvent dans sa prestation. Notre objectif, c'est de transformer le droit du travail pour faire en sorte que, au meilleur niveau, que ce soit dans l'entreprise ou dans la branche, il puisse y avoir une discussion, un échange entre les salariés et les patrons. Je suis convaincu que le dialogue social est vertueux. Et c'est parce que je crois au dialogue social que nous avons fait en sorte, oui, dans ces ordonnances, de rendre possible une vraie discussion à des endroits où aujourd'hui elle n'existe pas. Il n'y a pas de vraie discussion. Et bien, nous voulons faire en sorte qu'elle soit possible. Nous voulons faire en sorte que dans tous les domaines, on produise un système qui favorise l'embauche, qui favorise le dialogue social. Nous voulons faire en sorte qu'une plus grande flexibilité, ou plus exactement, qu'un plus grand dialogue se noue dans les entreprises et dans la branche. Et j'insiste là-dessus. Ça revient finalement un peu au début de notre discussion. Je crois au dialogue. Il me semble qu'on aura compris. Hein. Il faut que ça discute, il faut que ça dialogue. Alors, avant de commenter et de savoir ce qu'on en pense, à quelle disposition précise fait-il référence quand il vante cette nécessité de la discussion et du dialogue? Oui, parce que le dialogue social, c'est un mot qui revient dans toutes les réformes. Hein. On rénove le dialogue social, on modernise le dialogue social, on peut faire la litanie de toutes les réformes qui ont eu lieu sur le sujet. Alors là, ce qui change radicalement, effectivement, dans ces ordonnances, c'est qu'on invente, enfin, en tout cas, le gouvernement invente un dialogue social dans les PME surtout, parce que bon, il y a aussi un dialogue social pour les grandes entreprises, mais on invente un dialogue social qui permet en quelque sorte de pouvoir négocier, pas nécessairement avec des syndicats, et ça c'est une grande rupture dans les moins de 20 et moins de 11, mais on pourra y revenir. Donc ça, voilà. Donc c'est un dialogue social un peu entre soi, et puis on introduit aussi, on y reviendra sans doute, des référendums, c'est-à-dire des consultations directes dont on peut s'interroger sur la qualité véritable du dialogue social. C'est un autre dialogue social qu'Édouard Philippe est en train d'inventer. D'accord, donc en gros, la principale innovation, c'est que le dialogue sera possible même hors présence de syndicats. Exactement. Ouais, dans les entreprises de moins de 20 et de moins de 11. Dans les entreprises de moins de 20 et de moins de 11. Est-ce que, chez vous, ça va dialoguer mieux avec les ordonnances Macron? Nous, on dialogue tous les jours parce qu'on est avec les salariés sur le terrain et on les voit tous les jours. Donc, le dialogue, il est constant.
c'est pas, la loi va rien changer dans ce domaine. Il y a des syndicats chez vous ? Non, il n'y a pas de syndicats, comme dans la plupart des petites entreprises. Oui. Hein, il n'y a pas de représentation syndicale. Donc le Premier ministre soulève une vraie question par rapport à ça. Mais il aurait fallu surtout s'intéresser à la représentation des PME dans les négociations de branche, par exemple. Ça, c'est un vrai problème. Effectivement, les accords de branche ne sont pas forcément très adaptés aux petites entreprises, ce qui peut causer des problèmes, mais ce n'est pas en introduisant le référendum à l'intérieur de l'entreprise qu'on va y répondre. – Alors, par exemple, vous, pour l'instant, est-ce que votre entreprise est rattachée à une branche ?– Oui, absolument, laquelle ?– du service de l'automobile. – Des services de l'automobile. – Oui. – Bon, et est-ce qu'il y a des dispositions de branche que vous ressentez particulièrement inadaptées dans votre boîte à vous ? Dans celle-là, non, ça va plutôt. C'est assez bien adapté. Donc tout va bien. Oui. Enfin, jusque-là, oui. Après, je connais d'autres branches où c'est moins adapté, comme dans l'hôtellerie, par exemple. Pour quelle raison ? C'est plus adapté pour des grands hôtels qui ont beaucoup de salariés que pour des petits qui en ont assez peu et qui ne peuvent pas forcément embaucher. Et là, ce n'est pas bien négocié parce que ceux qui sont représentés lors des négociations entre les syndicats patronaux et les syndicats de salariés, c'est le MEDEF et c'est les grandes entreprises. – Alors, juste pour bien comprendre comment ça se passe dans une petite entreprise comme la vôtre, vous dites qu'on dialogue tous les jours. J'imagine, vous êtes 20, c'est ça ?– Oui. Bon, – j'imagine que oui, on parle. Mais on parle de quoi ? Je veux dire, on parle horaire, on discute sur les horaires, oui, on parle on parle des plannings, on parle des salaires, on parle des primes, on parle évidemment pas… Discussions, c'est des discussions tous les jours avec tous les salariés, mais on en parle régulièrement, oui. Et c'est des discussions qui sont individuelles ou collectives ? C'est-à-dire, c'est en tête-à-tête ou de temps en temps, vous réunissez tous les 20 et vous... C'est plutôt individuel. Nous, on est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc on n'a pas les 20 salariés sur site en même temps. Généralement, c'est des discussions individuelles. D'accord. Sur cet aspect de les nouvelles dispositions ont favorisé le dialogue et la discussion dans les entreprises. Qu'est-ce que ça vous suggère ? Ouais. D'abord, ça me suggère un premier étonnement, c'est que pour améliorer le dialogue social, le gouvernement a commencé par édicter des ordonnances, c'est-à-dire l'acte juridique le plus unilatéral qu'il soit. Normalement, quand on vote une loi en matière de droit du travail, on commence par organiser une concertation avec l'ensemble des syndicats. Et là, le dialogue social, c'est pour les autres, c'est pas pour le gouvernement. Je pense, il faut pas oublier ce point de départ. Alors, sur le contenu lui-même. Sur le contenu lui-même, on peut pas parler de dialogue social quand on parle de référendum dans une petite entreprise. Il s'agit pas, l'ordonnance n'organise pas un dialogue avec des représentants des salariés. On aura un employeur, plus ou moins compétent, apte à écouter ses salariés, etc., qui va imposer à ses salariés un accord où les salariés n'auront rien à négocier. Il n'y aura pas de dialogue. Ils diront oui ou non. Donc là, il n'y a pas de dialogue. C'est vraiment se payer de mots. Vous avez dit imposer, mais vous avez failli dire proposer. Il y a peut-être des boîtes où quand même le patron va proposer. Il y a peut-être des boîtes où effectivement ça va se passer de la manière dont le gouvernement... Bien sûr, mais comme le disait le chef d'entreprise ici présent, c'est que dans ces boîtes, on négocie déjà. Et le droit, là, n'améliore pas ces processus de négociation. C'est-à-dire là où ça discute déjà, ça ne discutera pas davantage, et là où ça ne discute déjà pas, ça ne discutera pas plus. Quoi. Et le droit n'organise pas de discussion. C'est-à-dire le droit aurait pu impulser une négociation dans les entreprises avec peut-être des salariés appuyés par des syndicats. Non, le droit là dit il y aura un projet patronal et les salariés diront oui ou non. Alors, le gouvernement donne un exemple très précis sur l'inadaptation parfois des dispositions de la branche avec les situations particulières dans les entreprises et sur la nécessité de dialoguer dans les boîtes. Alors, on écoute la ministre du Travail, Nicole Pénicaud. Imaginez que c'est une jeune entreprise innovante. La moyenne d'âge est 30 ans. Aujourd'hui, la branche vous dit, vous faites une prime d'ancienneté. Par contre, vous n'avez pas de prime de garde d'enfants, vous n'avez pas de prime pour l'innovation. Mais moi, je pense qu'il y a des salariés qui seront plus intéressés pour discuter, est-ce que je peux avoir une prime de garde d'enfants ou une prime d'innovation, qu'une prime d'ancienneté, alors que j'ai 28 ans et que j'ai l'impression que j'aurais changé 3 fois d'entreprise d'ici là. Vous voyez, il faut s'adapter à la réalité du terrain. Parce que ce qui intéresse les salariés, ce qui intéresse les employeurs, ce n'est pas des droits théoriques plaqués, c'est leur droit à eux. Une prime d'ancienneté, un 13e mois, ce n'est pas un droit théorique. Hein. Quand vous avez 28 ans et que par contre vous n'avez pas les primes pour les sujets qui vous concernent, c'est un droit théorique parce que vous n'en bénéficierez pas.
Sandrine, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est le bon sens qui parle par sa bouche. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, il y a des spécificités dans chaque boîte qui peuvent tenir à un tas de facteurs, l'âge moyen des salariés, la situation géographique, je ne sais quoi. Oui, bien sûr, on peut rêver d'une entreprise rêvée, justement, où on adapte les besoins de l'entreprise à chacun. Mais ce qu'on oublie de dire, ce que Muriel Pénicaud oublie de dire, c'est que quand on négocie aujourd'hui, il y a un rapport de force. Le gouvernement n'aime pas ce mot-là, il n'aime pas le mot rapport de force, lui déclasse. Mais on est quand même dans une situation de chômage de masse. Et quand on négocie, malheureusement, on n'est plus dans les 30 glorieuses où on négociait toujours des acquis, on négociait toujours du plus, une prime de maternité, une prime qui vous permet de gagner plus. Là, on gère la pénurie d'une certaine manière. Donc, il faut voir aussi les rapports de force. Alors, dans certaines entreprises, ça va très bien se passer. Dans d'autres, on va jouer un peu sur la peur et on va dire, bah, écoutez, la prime de 13e mois, là, on ne parle plus d'une prime de maternité ou une prime d'ancienneté. On va parler d'un 13e mois. C'est quand même, ça pèse lourd dans le portefeuille d'un salarié. Et c'est ça qu'on va négocier. Et ça, il faut le prendre en compte aussi. Ça ne va pas se passer bien dans toutes les entreprises. En tout cas, il faut y penser. Surtout que, alors, Madame Pénicaud, elle dit deux choses intéressantes. La première, elle parle d'entreprises innovantes. Et ça peut effectivement être très adapté aux start-up. Les sièges éjectables, il faut que ça aille vite, que ça prenne de la valeur vite. Dans une entreprise comme la mienne, on est sur un temps long, on n'est pas sur un temps court, on n'est pas sur de la spéculation financière. On est sur une entreprise qui doit se pérenniser dans le temps. Et il y a une deuxième chose qui est intéressante, elle dit, oui, vous vous rendez compte, dans cette convention, il n'y a pas de prime maternité, etc. Le chef d'entreprise n'est pas limité par l'accord de branche. Quand j'ai pris le contrôle de l'entreprise en 2015, mes agents de maîtrise n'avaient pas de prime de responsabilité. Ce n'est pas prévu dans la convention collective. On en a discuté, je l'ai mise en place. Ce n'est pas illégal. On peut déjà très bien mettre en place des avantages pour les salariés qui ne sont pas prévus par la loi ou par les conventions collectives. Donc c'est une vaste blague. Ce référendum, il est prévu pour pouvoir enlever des choses aux salariés, pas pour pouvoir leur en donner. On peut déjà le faire. Donc ça n'améliore rien. Après, sur le principe du référendum en lui-même, il ne faut pas oublier qu'entre l'employeur et l'employé, il y a un rapport de subordination qui est contractuel. Et il ne peut pas y avoir, dans un rapport de force déséquilibré, quelque chose de démocratique, parce qu'il présente ça comme l'élargissement de la démocratie au monde de l'entreprise. Mais le monde de l'entreprise n'est pas démocratique. Pas en tout cas dans une PME. Alors je rappelle que vous êtes patron. Oui. Non, mais on ne s'en rend pas forcément compte en vous écoutant parler. Donc on a trouvé le seul patron marxiste. Il y en a beaucoup comme vous. Mais oui, il y en a pas mal. On est un petit groupe d'une cinquantaine qui s'était mobilisé pendant la loi travail, la loi El Khomri précédemment. Et chaque fois que je fais une intervention dans les médias, plusieurs patrons me joignent pour me dire mais moi je pense comme vous. Le problème, c'est que ce qu'on voit dans les médias, ce sont les grands patrons, c'est ceux qui ont le temps. Pas que. Mais beaucoup, énormément. Ouais. Nous, les petits patrons, les artisans, les commerçants qui bossent 10-12 heures par jour, quasiment 7 jours par semaine, on n'a pas le temps d'aller dans les médias et de militer pour être représentés. Alors, de fait, ce qui va dans votre sens, c'est que, on a tenté sur ce plateau, en composant le plateau, d'avoir des patrons qui soient au contraire favorables à ces ordonnances et qui nous expliquent que c'est génial. Donc on a fait comme toutes les émissions de télé, on s'est adressé à la CGPME, aux organisations patronales. CPME. Enfin voilà, toutes les organisations patronales. Et personne n'a été fichu de nous trouver un petit patron qui vienne dire « bah si, les ordonnances, c'est quand même pas mal, parce que ceci, parce que cela ». Donc c'est pour ça qu'on s'est rabattu sur vous, on va avoir le seul, des rares patrons. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes quand même conscient d'être atypique dans le. Même si vous êtes une cinquantaine dans votre groupe. Je fréquente des chefs d'entreprise tous les jours, on est à peu près sur la même ligne. Ça ne répond en rien, mais absolument en rien, à nos difficultés quotidiennes et à notre réalité. Notre problème, c'est de rentrer des commandes. Notre problème, c'est de trouver des nouveaux clients. Ça n'y répond en rien. Ça ne va pas faciliter notre vie. Bon, alors on reparlera de l'embauche tout à l'heure, la peur de l'embauche, tout ça, mais je voudrais qu'on termine sur ces questions de la démocratie interne. Alors on a prononcé le mot référendum plusieurs fois depuis le début de cette émission, c'est effectivement une des innovations, le référendum d'entreprise. Alors ça,
Ouais. Alors oui, alors ça existait déjà depuis longtemps. C'est-à-dire qu'un syndicat pouvait tout à fait, même un employeur pouvait initier un référendum, mais ça n'avait pas valeur juridique. Je pars sous votre contrôle, Cyril Vollemarc. Donc en fait, bon, ça pouvait peser dans la négociation, mais ça n'avait pas de valeur juridique. Ensuite, la loi El Khomri a changé la donne et elle dit si des syndicats minoritaires, un peu comme il s'est passé à la FNAC pour les horaires, des syndicats minoritaires signent un accord, il faut qu'ils représentent à peu près 30%. Eh bien, eux, ils ont le droit, parce qu'on veut quand même débloquer les situations et qu'on sait qu'un accord majoritaire, c'est compliqué à obtenir, eh bien, eux, ils ont le droit d'initier un référendum. C'est-à-dire qu'ils sont minoritaires, ils sont 30%, ils représentent 30% des salariés, mais ils peuvent demander, est-ce que vous êtes d'accord? Et s'ils sont d'accord, l'accord devient valide, il s'applique. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que des patrons peuvent aussi, des employeurs peuvent aussi initier ce référendum. Donc c'est un pas en avant. Alors, pour illustrer, non pas le référendum Macron, mais le référendum El Khomri dont vous parliez, je voudrais qu'on voit des extraits d'un reportage de France 2 de juin 2007. Ça se passe dans l'entreprise Novo Nordisk. C'est une entreprise qui fabrique des traitements contre le diabète. Et un référendum y a été organisé. On a un sujet de France 2 qui pose un certain nombre de questions. Il y a quelques mois, pour réduire les coûts de production, la direction a fait une proposition. Travailler 25 minutes de plus par jour pour certains ouvriers, sans augmentation de salaire. Bonjour. Selon le patron, cette mesure était indispensable pour que l'usine française reste compétitive et pour que le groupe continue d'y investir. Un syndicat, la CFDT, a soutenu la mesure. Trois autres syndicats ont refusé. Un référendum est organisé en février. Résultat, 64% votent pour depuis la mesure est appliquée. Beaucoup ont aimé participer à cette décision stratégique. 8 salariés sur 10 ont voté. Bah, ça permet au moins d'avoir le choix de notre avenir, quoi. Ça rajoute de la démocratie, ça, et ça conforte encore les décisions qui sont prises. C'est tout le monde prend la décision. Pour le coup, c'est pas seulement quelques personnes. Mais ce référendum a aussi créé de fortes tensions dans l'entreprise. Car les 1200 salariés du site, qu'ils soient cadres ou ouvriers, ont dû se prononcer sur une mesure qui ne concerne au final que 300 salariés. David Lemoine, ouvrier et délégué force ouvrière, a milité contre ce référendum. Ses journées de travail sont aujourd'hui plus longues, car la majorité de ses collègues l'a décidé. Ces délégués force ouvrière se sont battus pendant des semaines contre ce référendum. Pour eux, ce vote n'est pas synonyme de démocratie en entreprise. Car les moyens des deux camps pour convaincre ne sont pas les mêmes. On a vu les services RH passer d'équipe en équipe, service par service. On n'a jamais vu ça dans l'usine. Dans le camp d'en face, la CFDT qui a organisé le référendum se dit très satisfaite. Cet outil a permis au syndicat de faire entendre sa voix alors qu'il était minoritaire. Quand on sait que les idées qu'on apporte, les solutions qu'on met en place ou qu'on défend, elles sont bonnes pour l'entreprise et pour les salariés, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Bon, alors si j'ai bien compris, ce qui va changer là, c'est que donc, ce référendum pourrait être organisé non pas seulement à l'initiative d'un syndicat minoritaire, mais à votre initiative, à celle du patron. Il pourra toucher un champ plus large de questions aussi, puisque jusque-là, il était limité sur un certain nombre de sujets. Maintenant, il va pouvoir en toucher beaucoup. Ça va être élargi à quoi, par exemple ? Par exemple, à la rémunération des heures supplémentaires ou de nuit, ou au nombre d'heures travaillées. Et alors là sur cette disposition, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, comme au début, moi ça ne me concerne pas, ça ne va rien m'apporter, ou vous dites quand même là, ça peut être un instrument utile ? Ça peut être extrêmement dangereux, parce que ça va casser un cadre collectif. C'est-à-dire que jusque-là, les entreprises d'un même secteur étaient obligées de jouer avec les mêmes règles, avec le même temps de travail, avec les mêmes primes, avec le même taux horaire, etc. Là, ça veut dire que par entreprise, on va pouvoir demander aux salariés, pardon de le dire comme ça, mais un pistolet sur la tempe, parce que c'est ça qu'on vient de voir dans le reportage. Il faut garantir la compétitivité de l'entreprise. Donc il faut faire des économies sur les salaires. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des solutions d'abord, mais c'est le problème à la base. Il faut faire rentrer de l'argent ou ne pas en dépenser. Les entreprises, par exemple pour mon entreprise, si 6 ou 7 concurrents se mettent à faire ça,
moi, je vais avoir un problème parce que je ne joue plus avec les mêmes règles qu'eux. Ça va tirer les prix vers le bas. Et soit je vais devoir fermer, soit je vais devoir m'adapter. Et du coup, on précarise les salariés de tout un secteur d'activité. Parce que vous avez, sur votre secteur, 6 ou 7 concurrents qui sont exactement sur le même secteur que... Oui, et qui ont la même convention collective et qui, du coup, travaillent avec les mêmes conditions que nous. Mais si les conditions changent, nous, on ne tiendra pas sur le marché. D'accord. Non, mais enfin, moi, ça nivelle par le bas. Je vois ça un peu de l'extérieur. Il n'y a jamais eu une situation où il y ait une décision collective à prendre, qui soit un peu compliquée à prendre, où vous soyez dit, finalement, ouais, le vote, quoi. Voyez bien, là, par exemple, dans le reportage, c'est on demande à l'ensemble des salariés de prendre une décision qui ne va en concerner que 300. Ça a été pareil chez Smart. Ouais. C'est le collège des cadres qui avait fait basculer la décision sur le passage aux 39 heures, me semble-t-il, chez Smart. Donc, on demande à des gens qui ne sont pas concernés de prendre la décision pour les autres. Et puis, il y a des syndicats. Moi, je crois en l'intelligence. Pas toujours. Dans cette entreprise-là, il y avait des syndicats. Là, oui, mais pas chez vous, par exemple. Moi, je crois en l'intelligence des syndicats et en leur capacité de négociation. Ils signent des milliers d'accords par an dans les entreprises. Donc, ils ne sont pas si fermés que ça à l'accord. Non, mais la nécessité de créer un compromis, ça existe dans toutes les entreprises. Effectivement, les entreprises dialoguent, et vous le dites très bien. Le problème en France, c'est que c'est la qualité des informations qu'on vous donne. Par exemple, y compris pour les syndicats, c'est extrêmement bien documenté en France. On a des prérogatives du comité d'entreprise, des délégués du personnel, des délégués syndicaux qui sont très fortes, mais on leur donne une mauvaise qualité de l'information. Quand vous êtes autour de la table et qu'on vous donne les vrais chiffres et qu'on vous donne les vraies informations stratégiques de l'entreprise en disant, voilà, le carnet de commandes, il en est là, on sait que l'information est juste, eh bien, on construit un compromis. Et il y a des entreprises qui votent. Après, effectivement, on demande aux salariés, est-ce que vous êtes d'accord pour baisser momentanément vos salaires, pour augmenter un peu le temps de travail? Et ça se fait de manière intelligente. On construit un compromis. Là, comment on peut obliger à ça? Comment on peut obliger le patron à donner des vraies infos à ses salariés? Normalement, c'est la loi, mais... Simplement, ils ne donnent pas les informations aux salariés directement. Oui, ils donnent les informations aux syndicats. Et c'est en cela que le référendum pose un problème, puisque ce sont les syndicats qui sont informés. Alors que les salariés, quand ils vont dire oui ou non à l'accord, ils n'ont pas les mêmes informations. Et, les syndicats sont censés les leur donner. Oui, mais c'est très bien montré dans le reportage. C'est le DRH, en fait, qui va aller faire de la pub pour son accord. Et on voit bien ce qui se joue entre la peur peut-être hypothétique de perdre son emploi et des syndicats assez forts qui disent « non, mais n'y croyez pas, etc. » Quelle est la réaction majoritaire partout, hein, dans toutes les entreprises? La peur l'emporte sur les informations que des syndicats, là, visiblement compétents, informés, etc., peuvent gérer. C'est le problème du référendum, c'est le chantage. Et ça tout le monde le sait depuis toujours. Ça n'existe pas dans les petites entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence de syndicats, de structure type CE, CHSCT, etc. Donc l'information des salariés est encore plus mauvaise. Oui. Et les ordonnances ne prévoient rien du tout sur ce point d'information des salariés avant le vote. D'accord, mais enfin, moi je vais continuer à défendre les ordonnances, puisque ici apparemment tout le monde les taille en pièces. On ne peut pas imaginer quand même que sur un point particulier, vous qui êtes un patron particulièrement soucieux des droits de ses salariés, alors, en leur donnant les informations les plus complètes possibles, tout ce dont ils ont besoin, on organise un référendum parmi des gens que vous auriez, vous, vertueusement, puisque vous croyez à la vertu des patrons, en tout cas à la vôtre, que vous leur auriez vertueusement donné. Non, mais encore une fois, ça dépend de la question et ça dépend du but. Si le but, c'est encore de précariser les salariés, non et renom. D'accord. Le problème n'est pas là. À chaque fois, la question qui se pose, c'est l'entreprise est en danger, il faut rentrer de nouveaux clients, il faut rentrer de nouvelles commandes. C'est ça le problème. On n'y répond pas. J'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait « on a facilité le divorce, ça n'a pas encouragé le mariage ». La problématique, elle est là. C'est pas le même sujet. C'est pas le même sujet. Quand le Premier ministre parle de « on veut faciliter l'embauche », mais c'est pas en facilitant le licenciement qu'on y arrive. Quand Mme Pénicaud dit qu'il faut redonner de l'air aux entreprises, c'est pas en précarisant les salariés qu'on va leur en donner. – Et alors, en même temps, Sandrine, vous dites ça, mais je crois savoir que dans une entreprise qui s'appelle Alternative Économique, il y a eu une discussion
et oui. que les salariés ont décidé tous ensemble de baisser leur salaire à un certain moment. Oui, alors nous, on est une SCOP, on est une coopérative. Donc, ouais. c'est déjà un mode de gouvernance qui est un peu différent. Donc, en fait, effectivement, on est moins de 50, on n'a pas de CE, mais on a créé un compromis. On avait tous les chiffres, effectivement. La presse, ça n'allait pas bien à un moment. Ça va toujours pas très bien. Mais voilà, on a décidé qu'on allait baisser de 10% nos salaires. On a fait un vote, mais on a discuté tous ensemble. Ouais. Oui, mais ce n'est pas la même chose. On avait des éléments tangibles et on se dit qu'on ne va pas nécessairement enrichir un actionnaire, verser des dividendes de manière inconséquente. On savait que tous nos jobs, tous nos emplois étaient en jeu. Voilà, ça c'est un enjeu, mais il faut qu'il y ait une gouvernance, il faut qu'il y ait une confiance. Oui. Alors quand on parle, bien sûr qu'on est d'accord de faire un dialogue social de confiance, de faire l'intelligence des acteurs, dit souvent le gouvernement, très bien, mais qu'on donne les outils, qu'il y ait les acteurs et qu'on donne les outils. Bah oui, enfin, ça fait de bonnes conditions. Et en fait, comme on les donnera jamais, en fait, moi ce que j'en tire, c'est que tout ce système de référendum est parfaitement valable dans une structure comme la coopérative, comme la SCOP, où effectivement, je veux dire, tout le monde dispose de la même information et du même pouvoir de décision. Mais ça peut pas être seulement une question d'information. Oui, c'est une question de pouvoir de décision. C'est-à-dire que je suppose que dans le journal, la question de la stratégie du journal, elle a aussi été discutée avec les salariés. Alors que dans ces référendums d'entreprise, n'est pas du tout discutée la manière dont l'entreprise pourrait regagner de la compétitivité. C'est des employeurs qui disent que la manière de regagner la compétitivité, c'est que les ouvriers travaillent 25 minutes de plus chaque jour. Et cette proposition, il n'y a pas de co-détermination, de co-décision avec ni des syndicats ni des salariés. C'est cette question qui est soumise par l'employeur à oui ou non. En l'occurrence, par un syndicat, sous le régime El Khomri. Oui, avec l'acceptation de la CFDT. Voilà. Et je rajouterais aussi... Pas l'acceptation, ils étaient à l'initiative, si j'ai bien compris. Oui, ils sont à l'initiative. Oui, oui. Mais d'un mot aussi, ils le disent bien dans le reportage, on interroge tout le monde sur un service. Oui, mais c'est quand même un vrai problème démocratique. Nous, on a réuni tous les services pour dire, voilà, on interroge la stratégie, mais l'idée, c'était pas de pénaliser et puis d'interroger tout le monde et on va pénaliser une seule catégorie de personnes. Alors ça, pour le coup, c'est un vrai problème. Alors, je ne sais pas si les ordonnances prévoient quelque chose sur le périmètre de ces référendums. Non, du tout. Rien du tout. Non, les ordonnances ne prévoient rien, juste la possibilité de faire un référendum. Ce sera peut-être dans les décrets. C'est pas prévu, parce que la loi, en général, avance que les décrets préciseront ces dispositions, mais non. Mais c'est, tout le problème est là, c'est que personne n'est contre un référendum. Tout le monde est pour que les personnes puissent s'exprimer directement. Sauf que dans une entreprise où, on l'a très bien rappelé, le rapport de force est déséquilibré parce que c'est la subordination, et c'est même prévu dans le Code du travail, dans des entreprises où il y a une subordination, les conditions du référendum comptent autant que le principe du référendum. On ne fait pas un référendum n'importe comment, décidé par l'employeur, sans information. Au fond, c'est la mort du référendum. C'est l'inverse d'un procédé démocratique. Et en fait, on se sert d'un procédé démocratique pour en faire l'exact contraire. Alors, la réflexion qui me vient aussi en vous écoutant, c'est qu'effectivement, ce référendum peut apparaître comme un outil particulièrement inadapté dans un contexte de chômage de masse comme aujourd'hui, c'est-à-dire dans un contexte de peur de perdre son emploi. Mais dans un autre contexte, dans un contexte de plein emploi, on dit toujours, oui, les salariés tremblent de perdre leur poste. Mais je veux dire, on peut aussi imaginer d'autres contextes ou d'autres secteurs, j'en sais rien, dans lesquels le patron a envie de garder ses salariés parce que c'est des bons salariés, parce qu'il les a formés pendant plusieurs années et qu'il n'a pas envie de les perdre. Je veux dire, c'est un cas de figure qui est aussi intellectuellement concevable. Pour ça, il n'a pas besoin de référendum. Il peut dépasser le droit ordinaire du travail et des accords de branche et accorder des droits supplémentaires à ses salariés sans leur demander un accord. Ok. Bon, alors, l'emploi, maintenant. Est-ce que, vraiment, ces ordonnances vont favoriser l'emploi? Alors, il y a un argument, un élément de langage qui revient en permanence dans le discours public, politique et dirigeants patronaux mêlés depuis des années et des années, c'est que les patrons ont peur. C'est que le chef d'entreprise, notamment patron d'une PME, puisse embaucher. Il y a bien la bagarre entre... Le patron a peur d'embaucher en France, c'est bien le problème. La question est de savoir comment on contourne un système de droit du travail qui est devenu tellement rigide que la peur d'embaucher
l'emporte sur la nécessité de l'embauche. Il faut, en France, tuer la peur de l'embauche, notamment chez les PME. Cela permettra aux entreprises d'embaucher, de faire sauter cette peur de l'embauche qui existe. Pourquoi, en fait, il n'y a pas d'embauche en CDI aujourd'hui? Il n'y a pas d'embauche en CDI parce que l'entreprise a peur. Il y a une peur de l'embauche chez les patrons de TPE et de PME qui est très grande. Le chef d'entreprise, qui n'est pas un grand patron du CAC 40, il a peur d'embaucher. C'est ça la réalité qu'on connaît sur nos territoires. Le patronat indique qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui font que on a peur d'embaucher parce qu'on a peur de licencier. Voilà, parce qu'on ne peut pas licencier. Voilà. Bon, alors vous, j'ai bien compris, vous n'avez pas peur, vous êtes un patron. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité s'agissant de la plupart de vos collègues? Non, il n'y a pas de, peur de l'embauche. Je vous dis ce qui terrorise, ce qui fait peur aujourd'hui aux patrons de PME ou de TPE, c'est de perdre un gros client, c'est de ne pas en trouver. C'est ça la vraie question. L'étude de l'INSEE le montre. Le code du travail n'est pas un frein à l'embauche. Qu'est-ce que dit cette étude de l'INSEE? Je peux le dire aussi, mais Anedou, allons-y. Elle a interrogé les employeurs pour savoir s'ils connaissaient des freins à l'embauche. Et effectivement, moins de la moitié des employeurs déclaré des freins à l'embauche et ils ont renseigné les motifs. Donc pourquoi qu'est-ce qu'ils ont perçu comme frein à l'embauche? Le premier motif, c'est l'incertitude économique, c'est-à-dire effectivement le carnet de commandes. Donc ça, c'est le quand on perçoit qu'on a quelque chose qui nous empêche d'embaucher, c'est quand même ça d'abord. Il y en a un deuxième qui est la difficulté à trouver les bonnes compétences. Bon, bien sûr, après, on peut toujours discuter des éléments mis en avant par les entreprises, parce qu'elles n'utilisent pas toujours bien les compétences de leurs salariés. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment les premières choses qui sont mises en avant par un peu moins de la moitié des employeurs qui déclarent les freins à l'embauche. Et la réglementation du travail, c'est le dernier élément qu'ils citent, c'est-à-dire que c'est tout à fait marginal. D'accord. Comment on peut expliquer alors la persistance à travers les années de cette, je ne sais pas s'il faut l'appeler une légende urbaine? C'est une offensive idéologique, elle n'est pas seulement urbaine. Alors peut-être ça donne l'occasion de revenir un tout petit peu sur cette histoire de dialogue social. C'est-à-dire que plus on s'est mis à parler de dialogue social, et moins il y avait de négociations, et je dirais moins c'était social. Et je pense notamment que le MEDEF a joué un grand rôle, en France en tout cas, après chaque pays a son histoire, mais en France, d'abord le MEDEF s'est constitué comme MEDEF au moment de la mise en place des 35 heures, c'est le CNPF furieux qui s'est rebaptisé, qui a mis à sa tête un tueur, quelqu'un qui avait la réputation d'être un tueur, Ernest Fontanelle. Franchement plus sympa avant. Bon, en tout cas, ils étaient très fâchés après les 35 heures. Ouais. Et je dirais qu'à ce moment-là, ils ont quand même beaucoup repris l'initiative. Et notamment au début des années 2000, en proposant une refondation sociale dont le mot d'ordre était « moins de lois, plus de contrats ». Donc l'idée, c'était vraiment d'inverser la hiérarchie des normes, d'avoir un code du travail plus allégé et puis de favoriser des négociations décentralisées au niveau des entreprises, là où les rapports de force sont les plus défavorables aux salariés. Donc effectivement, le référendum, c'est tout à fait l'aboutissement de cette logique. C'est le point extrême de ce type de logique. Voilà. Vous avez l'impression que c'est une offensive idéologique que vous corrélez avec les 35 heures, c'est-à-dire en gros avec le gouvernement Jospin à partir de la fin des années 90. Vous avez l'impression, pardon, qu'avant, c'est-à-dire dans les années 80, sous Mitterrand ou encore sous le... au moment où le gouvernement Chirac-Balladur a fait les noyaux durs, le patronat n'était pas sur cette ligne-là? C'est pas qu'il n'était pas sur cette ligne-là, c'est qu'il avait moins fabriqué cette offensive idéologique qui a été vraiment très construite au début des années 2000. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais si on avait les images d'Yvon Gattaz, le père de Pierre Gattaz... Ancien président du CNPF, ancêtre du MEDEF. Exactement. Il voulait, lui, je crois que c'était en 85 ou 86, proposer les encas, c'était les emplois, nouvelles embauches, enfin contrats allégés. C'était justement contrainte allégée, comme ça, c'est exactement dans la même logique. Mais vous avez raison, c'est vrai que l'offensive, elle s'est construite depuis une vingtaine d'années, quand beaucoup de choses ont changé aussi dans les entreprises, la financiarisation, il y a tout un environnement qui a beaucoup changé. Mais cette offensive idéologique,
écologique, vous la corrélez avec la financiarisation. Aussi, bien sûr, avec les changements, bien sûr, de l'entreprise. On est sorti d'un capitalisme familial vers un capitalisme beaucoup plus offensif. Et où, effectivement, des MEDEF et des organismes patronaux, qui représentent de grandes entreprises, de grands intérêts, ont porté cette offensive. Et alors, factuellement, finalement, là, on s'est demandé ce qu'on en pensait, mais factuellement, quelles sont les dispositions des ordonnances qui sont censées aider les patrons à vaincre leur peur de l'embauche? Alors, Cyril Vollemark pourrait y revenir. Moi, j'en vois deux, juste, enfin, ou trois. C'est vrai que par rapport à la loi El Khomri, on va beaucoup plus loin dans la sécurisation. Alors, sécurisation, c'est aussi un mot que le gouvernement aime beaucoup. Sécurisation pour les employeurs, il faut mettre la légende. L'idée, c'est aujourd'hui, on va pouvoir licencier. Enfin, on va envoyer des signaux pour licencier plus facilement, notamment avec la barémisation obligatoire des indemnités prud'homales. On va pouvoir aussi, inventer une sorte de rupture conventionnelle collective, qui est en fait un plan de départ volontaire, on pourra y revenir. Et puis il y a cette fameuse mesure à laquelle Emmanuel Macron tenait beaucoup dans la précédente version loi travail, c'était apprécier les difficultés économiques d'une entreprise au seul périmètre national et plus international. D'accord. Alors, juste un point, par exemple, je ne sais pas, vous avez parlé de la rupture conventionnelle collective. Alors, rupture conventionnelle, pour l'instant, c'est individuel, c'est-à-dire sur le papier. Le patron et le salarié se mettent d'accord sur le fait qu'il vaut mieux que le salarié quitte l'entreprise, c'est mieux pour l'entreprise et c'est mieux pour lui. En quoi la rupture conventionnelle collective est-elle plus perverse que… La rupture conventionnelle individuelle ? Oui. En fait, il faut peut-être précisément ne pas reprendre les mots du gouvernement. Parce que la rupture conventionnelle collective, en fait, ce n'est pas une rupture conventionnelle. C'est un plan de départ volontaire. Et le plan de départ volontaire, avant, était raccroché au régime du plan de sauvegarde de l'emploi. C'est-à-dire un régime assez strict pour l'employeur qui permet justement d'avoir des garanties pour le salarié. Et les ordonnances, les futures ordonnances peut-être, Macron, sortent le plan de départ volontaire de ce régime protecteur. Donc ce n'est pas une attraction vers la rupture conventionnelle individuelle, ce n'est pas ça du tout l'enjeu. En fait, c'est de sortir ces plans de départ volontaires du régime du licenciement. Ce qui veut dire que, concrètement, en quoi ça va léser les salariés Les obligations de reclassement seront plus légères, la consultation des représentants du personnel sera aménagée et allégée, et donc tout ce qui entourait des licenciements massifs, enfin des plans de départ volontaire massifs qui sont aujourd'hui la forme de licenciement. Tout ce qui entourait donc ces plans de départ volontaire massifs et qui protégeait un peu et qui accompagnait les salariés vers Pôle emploi, vers du retour à l'emploi, tout ça va disparaître. Et dans rupture conventionnelle, il y a conventionnel. Qu'est-ce qui se passe si il y a conventionnel. Ça veut dire qu'un salarié peut toujours refuser d'être dans ce plan de licenciement masqué, camouflé. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe s'il refuse? S'il refuse, il n'est pas licencié. Mais ce qu'on voit bien dans les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, les plans de départ volontaire sont devenus un mode de gestion de la main-d'œuvre avec… souvent un discours qui est soit vous prenez le plan de départ volontaire, soit de toute façon dans un an, il y aura des licenciements secs. Voilà. Donc c'est aujourd'hui un mode de gestion de la masse salariale qui était plus ou moins encadré par la chambre sociale, enfin par la cour de cassation, et qui là est de moins en moins encadré. C'est-à-dire que concrètement, ce qu'on redoute, c'est du chantage. C'est-à-dire… Oui, et puis c'est… Je ne dirais pas que c'est la mesure phare des ordonnances Macron, c'est encore une fois une petite dégradation des droits des salariés, alors qu'auparavant, la Cour de cassation, les juges, avaient forgé un régime un peu protecteur, un peu équilibré. Voilà, on descend d'un cran une fois de plus. Alors, il y a un exemple qui est souvent allégué dans les discours politiques et médiatiques, un exemple vertueux, c'est celui du Danemark, et je voudrais qu'on voit, encore une fois, des extraits d'un reportage de France 2 vantant les avantages du régime danois. Le Danemark, un pays de 5 700 000 habitants qui rend jaloux la France, car le royaume scandinave a vaincu le chômage. Avec un taux de seulement 4,2% depuis le mois de mai, le Danemark est en situation de plein emploi. Le patron Stig Nalbandian a recruté 4 personnes ces 3 derniers mois. Pour lui, la principale explication, c'est la flexibilité. Ici, les employés travaillent 37 heures par semaine en moyenne. Mais si l'activité augmente, il peut leur demander de travailler jusqu'à 57 heures.
Surtout s'il n'hésite pas à embaucher, c'est qu'il peut facilement licencier en cas de coup dur. Hung, par exemple, elle a été licenciée en hiver parce que la conjoncture était mauvaise. Donc on a dû lui dire au revoir pendant un temps. Et puis les activités ont repris. Et Hung est à nouveau avec nous. Si le modèle danois fonctionne, c'est parce qu'il repose sur deux piliers. La souplesse pour le chef d'entreprise, la protection pour le salarié. Au Danemark, la flexibilité s'accompagne de la sécurité. Ici, les chômeurs sont très bien indemnisés. Ils peuvent recevoir jusqu'à 90% de leurs trois derniers salaires. 90% de leur salaire, quand en France c'est 75% maximum, le tout pendant 2 ans. Une réussite qui s'explique aussi par le rôle des syndicats. Ici, 80% de la population est syndiquée, contre 11% seulement en France. Des organisations qui travaillent main dans la main avec le patronat. Voilà, alors on a bien compris que vous n'avez pas peur d'embaucher. Ce qui vous fait peur, c'est le carnet de commandes, hein, la baisse du carnet de commandes. Mais justement, ce qu'on voit là, c'est un exemple dans lequel carnet de commandes bat une salariée est licenciée et carnet de commandes remonte, elle est réembauchée. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous séduire ? Non, parce que et puis c'est pas du tout les mêmes conditions qu'en France. Hein. Ils sont bien mieux indemnisés au Danemark qu'on est en France. Donc, si on faisait ça en France, on précariserait énormément de gens, ce qui améliorerait pas notre situation économique d'ailleurs. Non, parce que il existe déjà tout un tas de dispositifs. Le CDD, ça existe. Et c'est de la responsabilité du chef d'entreprise de mesurer ce qu'il fait. Alors après le CDD, il est quand même enserré dans un certain nombre de contraintes. On est obligé à l'avance de déterminer sa durée, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Voilà. Mais je vous assure qu'il existe. Le Code du travail, c'est 150 ans de droit social. Ça a été très bien fait pour s'adapter à tout un tas de situations. Il existe des tas de dispositifs, des tas de types de contrats différents qui sont encore adaptés par les branches, parce qu'il n'y a pas que ce qu'il y a dans le Code du travail. Après, c'est adapté par branche. Et moi, j'ai pas de difficulté par rapport à ça. Je ne me suis jamais retrouvé avec un salarié dans l'entreprise en me disant « je ne sais pas quoi en faire ». Jamais. Mais c'est peut-être parce que vous avez de la chance que vos carnets de commandes soient stables. C'est-à-dire non, que, c'est non parce que je réfléchis mais, avant de prendre une décision. Alors, excusez-moi, vos carnets de commandes, le fameux carnet de commandes, ça n'existe pas, il n'y a pas un vrai carnet, non. Mais je veux dire, on parle toujours du carnet de commandes. Oui. Vos carnets de commandes, ils sont quand même relativement stables dans l'année ou ils sont sujets à des fluctuations ? Ils sont sujets à des fluctuations. Qu'est-ce qui les provoque, et à des qu'est-ce événements qui les provoque extérieurs. Qu'est-ce qui les provoque ces fluctuations ? Je vais vous expliquer. Par exemple, nous, on est très dépendants du secteur économique du tourisme. Quand il y a eu les attentats de fin 2015, on a perdu 50% de notre clientèle. D'accord. D'un coup. Parce qu'on est lié à la fréquentation de l'aéroport de Roissy. Dès que ça plonge, on plonge avec. D'accord. Et alors là, vous ne vous êtes pas trouvé en sureffectif ? Non, c'est pas. On a réadapté l'organisation du travail à l'intérieur de l'entreprise. Comment ? Et puis on a pris Comment ? Un certain nombre. Par exemple, comment on fait quand le chiffre d'affaires baisse de 50% et pour ne pas se retrouver en sureffectif, on fait quoi ? Par exemple, on a réorganisé les plannings, on avait beaucoup moins besoin de travail de nuit, donc on a réparti les postes en accord avec les salariés. Et là, il n'y a pas eu besoin de référendum, ça a été des discussions individuelles. Et il y a eu une discussion collective pour pouvoir réorganiser le travail dans l'entreprise. Et puis on a pris des décisions, là, qui étaient d'ordre économique, pour faire des économies à moyen terme. Par exemple, on s'est, moi et mon père, privés de salaire pendant un bon moment. Combien de temps ? Jusqu'en mai de cette année. C'est-à-dire, vous êtes privé de salaire pendant combien de temps ? Au total, ça a fait 1 an et demi. Vous êtes privé de salaire pendant un an et demi ? Pendant 1 an et demi, oui. Comment vous avez pu vous permettre ? Parce que nos épouses travaillent. Ah voilà, effectivement, parce que nos épouses travaillent. C'est non, une vous, vérité, vous, effectivement. Vraiment, on mais, a la chance de vous la retrouver. Hein, parce que non, alors là, par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Posez la question à des artisans, posez la question à des commerçants. La première chose qu'ils font généralement quand il y a une difficulté économique, c'est de se priver de salaire. On ne s'en rend pas compte, mais il y a énormément de chefs d'entreprise. Mais en général, dans la douleur. Apparemment, pour vous, ça n'a pas été difficultés. Trop... Si, ça, a trop crée, ça crée des difficultés, c'est évident, surtout quand on a des enfants et une vie de famille, mais on n'a pas le choix. Le problème, c'est que sinon, on rentre dans un cercle pervers, parce que supprimer des salariés, ça serait avoir de plus mauvais services,
Donc ça serait encore perdre de la clientèle sur la clientèle qu'on a déjà perdue. C'est un mauvais choix de management d'une entreprise de supprimer des salariés quand on est dans une difficulté et qu'on sait que cette difficulté, en plus, va se régler à un moment. Le tout, c'est de trouver d'autres moyens. J'ai renégocié les contrats, par exemple, pardon de venir dans le concret. Ah non, mais j'y tiens. Mais j'ai renégocié les contrats d'assurance des véhicules de la société. J'ai renégocié le contrat de l'imprimante, du photocopieur de l'entreprise. Vous avez fait baisser de combien ? Sur le photocopieur, quasiment de moitié. On a changé de société, on a fait jouer la concurrence, en l'espèce. Et sur les assurances, 15%. Ouais. Ce qui est chez nous un très gros poste. Et puis on a négocié, par exemple, on n'a pas payé la TVA pendant 4 mois, et on a négocié avec les impôts le fait d'étaler la TVA sur une année pour la rattraper. Ils ont accepté ? Bien sûr. Facilement. Mais vous pouvez négocier avec l'URSSAF, vous pouvez négocier avec, avec les impôts, vous pouvez négocier avec tout le monde. Bon, moi je suis scié, je ne sais pas si vous, s'il y en a beaucoup des comme vous. C'est ça la réalité des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise. Vous pensez qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise en France, pour des entreprises par exemple de 20 salariés, qui se privent de salaire pendant un an et demi, vous avez dit ? Il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Sandrine, vous... Oui, il n'y a pas de statistiques, mais on ne dispose pas de statistiques fiables. Mais bien sûr, il y a beaucoup de... On sait très bien qu'au niveau des gérants, c'est compliqué et qu'ils se privent aussi de salaire. Oui, bien sûr, c'est une réalité. Mais peut-être qu'il y a d'autres après, aussi... Après, est-ce que c'est une solution ? Mais c'est une solution, ouais. C'est-à-dire que là, vous essayez de... Là, quand il y a des vrais... On parle de situations différentes, de vraies difficultés économiques où il faut trouver des solutions. Alors peut-être que vous pouvez y revenir à Nedou, il y a les chômages partiels, il y a plein de choses. La question, elle n'est pas de... Bien... Et même un accord offensif. C'est-à-dire si vous avez des vraies difficultés et que vous décidez à un moment donné de baisser les salaires ou de travailler un peu plus... Pourquoi pas avec des clauses de revoyure ? Le problème de ces futures ordonnances, c'est qu'on va avoir toute une série d'accords offensifs qui ne sont plus nécessairement connectés à la difficulté. Ça va être adaptation de l'entreprise, donc c'est plus vague. C'est pas conditionné à la difficulté économique de l'entreprise. Tout à fait. Mais peut-être que sur le modèle danois, ce n'est pas aussi merveilleux aussi qu'on peut le dire. Déjà, il y a quelque chose quand on voit le reportage, c'est que on a l'impression que en France, c'est pas flexible. Hein. D'abord, c'est pas parce que l'employeur peut faire travailler ses salariés 57 heures qu'il utilise en réalité cette possibilité. Et puis en France, on a aussi la possibilité d'avoir des contrats courts. Je veux dire, dans beaucoup de pays d'Europe, les réformes qu'on appelle les réformes du marché du travail, elles ont commencé par flexibiliser la durée des contrats et étendre les durées de recours, étendre les possibilités de recours au CDD. Et dans un deuxième temps, on s'est attaqué davantage au licenciement et à la négociation, à l'inversion de la hiérarchie des normes. Bon. Voilà, en France, on a un marché du travail flexible si on regarde les contrats temporaires. Quand on regarde les statistiques d'Eurostat, on est à 16% de l'emploi salarié qui est de l'emploi temporaire contre 14% dans la moyenne de l'Union européenne. Donc voilà, le discours qu'on entend, c'est que la France est impossible à réformer et qu'elle a un marché du travail rigide. Or, c'est tout le contraire. Hein. La France a été réformée de multiples fois depuis la fin des années 70 et il y a de multiples possibilités à la disposition des employeurs pour être flexible, soit sur la durée des contrats, soit sur la durée du travail, soit sur les possibilités de rupture d'un contrat de travail. Mais dans le modèle danois, alors qu'est-ce qui fait qu'il y a un modèle ? C'est un modèle. Je dirais, le premier ingrédient, c'est le taux de chômage. Le Danemark n'était pas un modèle au début des années 90 parce que c'est un pays qui avait un taux de chômage élevé. Et le taux de chômage... Il ne dépend pas seulement des régulations de l'emploi, il dépend de beaucoup d'autres choses. Il dépend notamment du dynamisme de la demande interne et du dynamisme des exportations. Donc, bon. Mais ce qui fait le modèle danois, ce qui fait qu'on a beaucoup parlé de cette flexi-sécurité danoise, c'est la générosité de l'indemnisation du chômage et l'importance des dépenses pour l'emploi. C'est-à-dire que les chômeurs, non seulement... ils ont une indemnité généreuse quand ils perdent leur emploi, mais au bout d'une certaine durée de chômage, ils se voient proposer un emploi en contrat aidé ou une formation. Voilà. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, l'État joue le rôle d'un employeur au dernier ressort. Systématiquement. Ils se voient systématiquement proposer un emploi aidé ou une formation. Au bout d'une certaine durée de chômage, oui, en principe. Avec l'obligation de l'accepter ?
Bah, oui, ça, il y a des droits et devoirs partout. Hein. Mais en principe, l'État doit proposer une solution. Et de fait, les dépenses pour l'emploi sont élevées au Danemark. Et le Danemark, c'est un modèle qui coûte cher. Les taux d'imposition sont très élevés. En impôts et en TVA. Et le consentement à l'impôt est élevé. Hein, je dirais qu'en France, on n'est sans doute pas dans cette configuration. Et on a beaucoup parlé du modèle danois quand on faisait des réformes du marché du travail, pas seulement aujourd'hui, mais on a finalement adopté la flexibilité. Et les éléments de sécurité qui sont introduits, hein, on parle toujours de sécurisation des trajectoires professionnelles en France, c'est souvent de très petites contreparties à la flexibilité. Le gouvernement dit ouais, on a commencé par la flexibilité, mais la sécurité va venir ensuite. Vous inquiétez pas, à la fin de l'année, l'année prochaine. Oui, on a de quoi être inquiet. C'est un gouvernement qui annonce des réformes à coût constant, donc on se doute bien que et des réductions d'impôts, on se doute bien que les moyens ne seront pas mis pour sécuriser les chômeurs. Alors, dernière question de toutes ces mesures. Est-ce que finalement, ça va, avais-je compris le but, est-ce que ça va contribuer à faire baisser le chômage? Alors, c'est ainsi que ces réformes étaient vendues dans les derniers mois. Ce que j'observe comme commissaire chargé des affaires économiques, c'est que tous les pays qui ont réformé leur marché du travail voient le chômage baisser. Pas toujours la qualité du travail augmenter, mais le chômage baisser. Pourquoi on l'a fait, cette réforme du marché du travail, tout simplement? On l'a fait parce qu'elle est absolument indispensable si on veut retrouver le chemin de l'emploi dans notre pays. Moi, ce qui me paraît essentiel, c'est de libérer le travail. C'est de faire en sorte que cet artisan dans les Alpes-de-Haute-Provence que je côtoie quand je suis dans ma circonscription ait envie d'embaucher et qu'il ne me dise plus « non, j'embauche pas, c'est trop compliqué ». Parce que c'est ça la réalité. J'ai envie qu'une entreprise qui a 49 salariés assume de franchir le seuil pour grandir, alors qu'aujourd'hui, soit il crée une seconde société, soit il ne grandit pas. Et donc, il nous faut aujourd'hui libérer le travail pour plus de travail. Mais ça ne veut pas dire moins de droits sociaux. Il faut réformer notre code de travail, il faut donner de la souplesse à nos entreprises, il faut leur donner tout ce qu'elles peuvent valoriser comme énergie aujourd'hui. Et donc, pour l'emploi, cette réforme est nécessaire. C'est la plus grande loi de décentralisation sociale depuis 50 ans dans notre pays et qui poursuit un objectif très simple, en finir avec le chômage de masse qui pourrit la vie des Français. On a peur d'embaucher. Je suis sûr d'une chose. C'est que depuis 30 ans que le code du travail était construit de la manière dont il était construit, ça donne 3,5 millions de chômeurs. Peut-être est-il temps d'essayer autre chose. Alors, sauf que dans les tout derniers jours, on a eu l'impression d'une sorte de marche arrière du gouvernement sur cet argument. Bien évidemment, nous savons que le droit du travail n'est pas la première cause du chômage en France. Bien entendu. En aucune façon. On verra les effets de la réforme du Code du travail, mais ce n'est pas une baguette magique qui réduit le chômage. C'est un ensemble cohérent de politiques qui va permettre de le faire. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre une réforme du Code du travail et la création d'emplois. Il n'y a pas d'effet mécanique d'une seule réforme, mais par contre, l'ensemble, Code du travail, formation professionnelle, apprentissage, augmentation du pouvoir d'achat, oui, tout ça aura des effets sur l'emploi. Vous avez eu, comme moi, Sandrine, l'impression d'assister à une marche arrière toute, là ? D'une séquence d'un déjà-vu. C'est-à-dire que pendant la loi El Khomri, on a eu exactement les mêmes éléments de langage. On a commencé par dire qu'il fallait lever la peur de l'embauche, puis après on a terminé en disant qu'il faut améliorer le dialogue social. Là, on disait qu'il faut libérer le travail, et Édouard Philippe nous dit non, c'est pas la cause. Le code du travail n'est pas la cause première, n'est pas la seule. Voilà, Pierre Moscovici a dit quelque chose de très juste aussi dans le reportage, c'est qu'on peut baisser le taux de chômage, on l'a vu, et Anne Hédoux a écrit beaucoup de choses là-dessus, dans différents pays. On peut baisser, mais au détriment de la qualité de l'emploi. Il le dit, c'est-à-dire que si vous faites des mini-jobs, c'est des choix politiques, si vous faites des contrats zéro heure, vous pouvez baisser le chômage. Alors, Anne Hédoux, la vérité des chiffres sur cette affaire. Alors, je dirais même pas, hein, pour les... mais bon, la vérité, d'abord, il n'y a pas de...
de vérité écrasante hein, en la matière, parce que c'est évidemment très difficile à évaluer. Hein, les réformes se sont succédées en France comme ailleurs. Et quand effectivement le discours qui dit que la France est impossible à réformer a intérêt à dire ça, parce que ça évite d'avoir à dire qu'on se réforme dans le sens de plus de flexibilité depuis plus de 30 ans, et qu'effectivement, même après 30 ans de réforme, on a toujours un chômage très élevé. Mais ça, les partisans de la flexibilité vont vous dire c'est parce qu'on n'a pas assez réformé. Ah, mais bien sûr. Mais et certains exemples sont mis en avant comme des exemples de preuve. Et j'aime bien l'exemple allemand. Hein. On a parlé du miracle allemand. L'Allemagne, au début des années 2000, avait un taux de chômage très élevé, se voyait comme l'homme malade de l'Europe. C'est ça qui a permis de faire passer les très difficiles lois Hartz, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont... relâcher les conditions de recours aux mini-jobs, ce qui fait qu'effectivement les mini-jobs ont considérablement augmenté et qui ont aussi coupé drastiquement dans l'indemnisation du chômage. Donc ça a été des réformes très dures et l'Allemagne a vu son taux de chômage baisser. Et une relation de cause à effet a été établie entre les deux de manière tout à fait fallacieuse. Et surtout. Pourquoi fallacieuse ? Parce que c'est pas en raison des lois Hartz que le taux de chômage a baissé en Allemagne. C'est parce que l'Allemagne avait déjà encaissé, avait digéré la très difficile réunification qui l'avait plombée, avait aussi mis en place des relations de sous-traitance avec les anciens pays d'Europe de l'Est, et puis avait bénéficié d'un décollage de la demande extérieure en provenance des pays émergents pour des produits dans lesquels l'Allemagne est spécialisée. Donc il y a ces éléments-là, et puis au moment de la récession, là où vraiment l'Allemagne est devenue un modèle miraculeux, c'est qu'il y a eu une chute du PIB très importante en Allemagne, chute des exportations, donc ça a frappé en premier l'industrie allemande, mais il n'y a pas eu de chute de l'emploi. Pourquoi il n'y a pas eu de chute de l'emploi ? Rien à voir avec les réformes Hartz. C'est précisément, alors ça c'est ce que dit mon collègue allemand Stefan Lendorf, c'est précisément grâce à ce que les réformes Hartz n'avaient pas déboulonné, à savoir la codétermination, c'est grâce à ça que l'emploi s'est maintenu. Qu'est-ce qui s'est passé dans les industries allemandes ? C'est quoi la codétermination ? Le fait que les syndicats participent à la prise de décision, non pas dans un dialogue social à la française, mais voilà, participent réellement à la prise de décision. Et en quoi c'est la codécision qui a sauvé l'emploi ? Eh bien, ça a permis de décider que dans les entreprises industrielles où la demande baissait, au lieu de licencier, on a vidé les comptes épargne-temps, réduit le temps de travail et utilisé massivement le chômage partiel. Et donc les entreprises allemandes, qui avaient pourtant, ces entreprises industrielles, qui avaient pourtant vu la demande s'effondrer, ont maintenu l'emploi. Et ensuite, je dirais, il y a eu un peu de chance aussi, c'est que la demande des pays émergents est repartie. La main-d'œuvre était en poste et donc l'activité a redémarré. Donc si je vous suis bien, on ne peut pas savoir si il y a un effet mécanique des réformes flexibilisantes sur la réduction du taux de chômage. On le sait, c'est-à-dire qu'il y a des travaux de l'OCDE. Si on prend les travaux de l'OCDE, alors ils ne vont pas tous dans le même sens. Hein. Ah. Donc c'est compliqué parce que beaucoup raisonnent sur la base de modèles. Enfin, une synthèse. Bon. Pour faire une synthèse, disons que l'OCDE, en tout cas, a été la première institution au milieu des années 90 à préconiser ces réformes du marché du travail qui allègent la réglementation de l'emploi, qui facilitent le recours aux contrats courts, qui facilitent les licenciements au nom de l'embauche. Donc ça a été la première institution à promouvoir ça. Les institutions européennes l'ont repris ensuite. Et l'OCDE, bien sûr, a cherché à évaluer les impacts des réformes. Plutôt pour dire que ça marchait, j'imagine. C'était en tout cas sans doute ce qu'ils espéraient montrer. Mais en tout cas, les conclusions, par contre, n'ont pas varié. C'est qu'on n'arrive pas à démontrer de lien entre les réformes qui flexibilisent l'emploi et le niveau du chômage. Bon, alors on est toujours dans le « on ne sait pas ». Alors, on est toujours dans le « on ne sait pas », mais on a quand même des éléments. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que pendant la récession de 2008, des pays qui avaient été qualifiés par l'OCDE comme les bons élèves des réformes, à savoir l'Espagne, par exemple, l'Espagne qui avait un taux d'emploi temporaire très élevé, de l'ordre de 33%,
L'Espagne a effectivement vu l'emploi s'effondrer littéralement au moment de la récession. Parce que, évidemment, plus le volant des emplois temporaires est élevé, plus on a d'emplois qui peuvent disparaître d'un claquement de doigts. Alors, en Espagne, il y a eu d'autres problèmes. Il y a eu l'effondrement immobilier, il y a eu des faillites, mais cette flexibilité du marché du travail a joué un rôle dans l'effondrement. Alors, de l'emploi espagnol. Je ne sais pas si on est dans le... On ne sait pas, mais on est dans le... On a du mal à savoir, si je comprends bien. Alors, cela dit, il y a une théorie que j'ai entendue plusieurs fois ces derniers jours sur ce point précis, qui est de dire finalement cette flexibilisation dans une période de croissance où l'activité est en hausse. C'est super parce que ça permet d'embaucher plus facilement, donc ça fait effectivement baisser le chômage. Mais dans une période de récession comme celle dans laquelle on se trouvait encore il y a très très peu de temps, ça permet juste de virer les gens plus facilement, donc ça fait monter le chômage. Finalement, c'est une arme à double tranchant. Est-ce que... Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est documenté. C'est-à-dire que ce qui est intéressant quand on réforme, c'est de s'intéresser à quel moment on le fait. La temporalité, quand vous décidez, prenons les contrats aidés dont on parle beaucoup, si vous décidez de les supprimer en période de chômage élevé, ça va être une vraie catastrophe. Si vous décidez de les supprimer alors que l'activité repart et que tout va bien, ça sera moins dommageable. Donc il faut toujours s'interroger sur la temporalité. Et c'est vrai que pour la flexibilité du marché du travail, ça aussi c'est documenté. On sait que si on permet aux entreprises de libérer les vannes alors qu'on est en période de chômage élevé, elles auront la tentation de le faire. Non pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce que le business l'impose. Mais on a aussi un exemple historique assez récent, c'est la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, c'est 2008. Le discours était celui de faciliter la rupture pour engager de l'embauche, pour faciliter l'embauche, pardon. On a 10 ans de recul sur la rupture conventionnelle. C'est un dispositif qui a très bien fonctionné. Donc, ça a marché, mais ça n'a pas fait baisser le chômage. Donc, là, on a un exemple tangible d'une réforme du licenciement, en fait, de la rupture du contrat, qui n'a eu aucun effet positif ni négatif sur l'emploi. Très bien. Alors, il y a un mot qu'on a très peu prononcé depuis le début de cette émission, et pourtant, c'est un des aspects de la réforme qui a été les plus commentés, les plus médiatisés, c'est le mot « prud'homme ». Alors, on va donc terminer cette émission en évoquant la fameuse question des indemnités aux prud'hommes. Mais d'abord, c'est quoi les prud'hommes? Ça a été fondé quand? Mathilde Larère va nous rejoindre. Mathilde, bienvenue avec vous. On va donc essayer de tout savoir sur l'histoire longue et méconnue des conseils de prud'homme en France. Eh oui, alors même si je crains que si on me confie en tant qu'historienne du 19e siècle une chronique sur les prud'hommes, c'est parce que de réforme en réforme, on a un peu tendance à les pousser dans la case passée. Et de fait, c'est ce dont rêve le patronat et aussi manifestement les gouvernements qui se succèdent depuis 2008. Alors, en effet, quand on entend le patronat sur les prud'hommes, rien ne va. Petit florilège de ces éléments de langage, on les écoute. Les prud'hommes en France sont tellement éloignés de la réalité économique et même dans leurs décisions éloignées du droit qu'elles se retrouvent, ces entreprises, régulièrement condamnées à des indemnités quasi insupportables pour elles. Les prud'hommes, vous savez, c'est un épouvantail, notamment à l'embauche et notamment pour les plus petites entreprises. C'est totalement la roulette de russe. Donc vous voyez, tout un tas d'arguments qui sont ressassés à l'envi alors qu'on peut absolument tous les démonter. Par exemple, on dit que c'est lent. Oui, c'est vrai, c'est lent, mais c'est par manque de moyens. Donc autant remettre des moyens plutôt que de les supprimer. Et c'est souvent aussi parce que les patrons ont tout intérêt à faire traîner les procédures pour décourager les plaignants. On dit qu'ils sont incompétents. Alors c'est sûr, ce n'est pas des juges professionnels. C'est des ouvriers d'usine, des conducteurs de train, des informaticiens. Mais le monde de l'entreprise, ils connaissent. Ils reçoivent par ailleurs une formation syndicale solide. Et puis par ailleurs, quand on regarde les procédures d'appel, donc cette fois devant des juridictions où il y a des juges professionnels, 80% des jugements à peu près sont confirmés. Donc ça prouve qu'ils sont quand même assez compétents. C'est une justice de classe, dit souvent Gattaz, une machine à perdre. Alors, en fait, en plus, quand on dit justice de classe, en général, c'est dans l'autre sens. Oui, 70% des jugements sont en faveur des salariés. Mais c'est normal, c'est eux les plaignants. Ils arrivent avec des dossiers solides. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que pour que ça passe, le jugement, il faut 3 juges. Comme il y a 2 juges ouvriers, enfin salariés et 2 juges employeurs, ça veut dire qu'un employeur est passé du côté des salariés. Donc ça prouve bien que ce n'est pas tout à fait la justice de classe dénoncée.
Et puis à nouveau, c'est confirmé dans 80% des appels. Quant à l'épouvantail à l'emploi, on en a suffisamment parlé dans l'émission, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a bien montré que c'était autrement plus complexe. Pour autant, les lois qui s'appuient sur ces arguments se succèdent pour vider les conseils des prud'hommes de leur sens. Alors ça commence en 2008 avec Rachida Dati qui ferme 63 conseils de prud'hommes sur les 237 qui étaient déjà bien surchargés. Elle impose qui plus est une taxe de 35 euros pour saisir les prud'hommes. Or quand on sait que de nombreux plaignants sont des travailleurs pauvres en fait, 35 euros pour eux c'est beaucoup. Bon, Taubira heureusement a supprimé ce timbre fiscal et rendu à nouveau la justice gratuite. En 2015... réforme de Hollande. Jusqu'à 2015, les juges étaient élus. Eh bien, depuis 2015, Hollande a imposé qu'ils soient nommés par le garde des Sceaux et le ministre du Travail hein, sur des listes proposées par les syndicats. De toute façon, le rêve hein, du patronat est, qui risque d'arriver, c'est que ce ne soient même plus en fait, des représentants, mais véritablement ces juges professionnels qu'ils appellent de leur vœu. 2016, Macron complique le formulaire de saisine. Désormais, pour saisir les prud'hommes, eh ben, faut avoir un petit capital juridique. Hein, parce qu'avant, il y avait une page, il y en a sept. Il faut écrire une requête motivée. Les listes de pièces justificatives s'allongent et se compliquent. À nouveau, ça écarte les travailleurs les plus précaires. 2017, donc, la nouvelle loi, la loi Macron XXL, fait ce qu'elle n'avait pas réussi à faire en 2016, réduire les indemnités prud'homales, en fixer un barème et réduire à nouveau la durée de saisine. En fait, tout est fait pour limiter l'intérêt pour le salarié de saisir les prud'hommes et dans le même temps, priver les juges des prud'hommes de leur marge de manœuvre puisque le barème est désormais fixé. Pour autant, aussi, même si le formulaire de saisine, je vous l'ai dit, est très compliqué, par contre, ça devient très facile de faire une lettre de licenciement puisque désormais, les irrégularités dans cette lettre ne sont plus condamnables au prud'homme. Les délais pour le saisir n'ont cessé d'être rabotés. C'était 30 ans avant 2005. C'est énorme et ça permettait de protéger un travailleur sur la durée de son travail. C'est 5 ans depuis 2008, 2 ans en 2013, 1 an avec la loi de 2017. Pendant ce temps-là, les conseils de prud'hommes manquent de moyens, de locaux. Dans le conseil de prud'hommes de Paris, ils n'ont que 5 codes du travail pour 800 conseillers. Ils n'ont pas Internet, se passent les robes élimées qu'ils finissent par ne plus porter, etc., etc. Ajoutez à ça que les conseillers normalement protégés par la loi sont de plus en plus l'objet de discrimination. Certains sont même licenciés alors que c'est interdit, comme le montre le rapport de l'avocate Rachel Spire. En gros, ça va mal. Mais alors pourquoi est-ce qu'on s'attaque à ce point aux prud'hommes? C'est là qu'il faut en faire l'histoire pour comprendre ce qu'ils sont et pourquoi ils sont importants. Parce que je n'ai toujours pas fait d'histoire, mais pourtant je suis censée être là pour ça. Alors qu'est-ce qui déplaît autant? Déjà, c'est le lieu où l'on va porter plainte contre son employeur. Voilà. Ensuite, c'est un lieu où on est jugé à parité par des représentants des salariés et des employeurs. La parité, ce n'est pas toujours la tasse de thé du patronat. On l'avait vu dans l'émission sur la sécurité sociale, par exemple. Et cette parité, elle a été arrachée par les ouvriers. C'est vraiment, elle a été conquise. En effet, remontons l'histoire des prud'hommes. Ils ont été créés il y a longtemps. En fait, ils ont été créés sous l'Empire Napoléon 1806. Ils ont été créés à Lyon par les Canuts. Alors, vous pensez peut-être que je fais une fixette sur les Canuts, mais j'y peux rien. Souvent, dans l'histoire du mouvement ouvrier, ça commence avec les Canuts. En fait, pour vous expliquer un peu, depuis le Moyen-Âge, je remonte encore plus avant, il y avait des instances de conciliation et de jugement pour les différents de travail, soit entre les artisans ou alors entre les artisans et les marchands. Et ces instances de conciliation étaient organisées dans le cadre des corporations, y siégeaient donc les patrons et les maîtres, mais pas les simples ouvriers. Et on les appelait les prud'hommes. Parce que prud'homme ou prod'homme, ça veut dire l'homme utile, et il était utile pour régler les questions de travail. Comme il y avait des corporations de femmes, il y avait des prudes femmes aussi qui réglaient les problèmes dans les corporations de femmes. Bon, la Révolution supprime tout ça. Les corporations, les corps intermédiaires, les prud'hommes, supprimés, décrets à l'art, loi Chapelier, qui sont dans des logiques très libérales. Résultat, à partir de là, les rapports entre patrons et ouvriers ne devaient être régis que par le contrat interpersonnel, avec cette belle fiction juridique qui voudrait que le contrat de travail y ait dans ce contrat une égalité entre les contractants, ce qui n'est pas le cas. Résultat, les maîtres Canuts se rendent bien compte que ça ne les satisfait pas et en 1906, ils demandent à ce qu'on refasse des prud'hommes pour régler les conflits qu'ils ont avec les marchands. Napoléon accepte, mais à condition que les marchands fabricants y siègent en majorité et que les simples ouvriers n'y siègent pas. Création des prud'hommes pour Lyon et les autres corporations vont s'en saisir parce qu'effectivement, c'est bien mieux que le contrat interpersonnel. Là-dessus, la révolution de 1848. Cette espèce de parenthèse dans le 19e siècle libéral de démocratie sociale. Voilà, république démocratique et sociale. Et évidemment, tout de suite, on améliore entre autres les prud'hommes et on les améliore dans le sens des travailleurs. Désormais, tous,
patrons, chefs d'atelier, contremaîtres, mais aussi maintenant, les ouvriers, les compagnons peuvent élire les conseillers prud'homaux. Mieux aussi, ils savent lire ou écrire, tout le monde peut être élu juge dans le Conseil des prud'hommes. Mais surtout, la loi spécifiait que le nombre de prud'hommes ouvriers était désormais égal au nombre de prud'hommes patrons. La parité. Alors, au passage, d'ailleurs, je me suis rendu compte que le Conseil des prud'hommes de Paris, il est situé rue Louis Blanc. Louis Blanc, c'est l'un des penseurs du socialisme français. C'est le seul socialiste qui était au gouvernement provisoire en 1848. C'est l'auteur du premier décret sur le droit au travail et l'auteur de la plupart des décrets sur les droits du travail. C'est là qu'il y a le Conseil des prud'hommes. Ce n'est pas un hasard, mais ça m'a beaucoup ému. Donc, nés sous l'Empire comme des tribunaux de maîtres, les prud'hommes sont devenus, avec le printemps de peuple, les tribunaux des ouvriers. Ils sont donc le lieu où se défend la dignité du travailleur, et nombreux qui y viennent demandent souvent de toutes petites sommes. Mais en fait, ce qu'ils réclament et souvent obtiennent, c'est une forme de reconnaissance et l'affirmation de leur dignité de travailleur. Car c'est un lieu de justice et de réparation. Ensuite, si les conseils de prud'hommes sont tellement décriés, c'est aussi parce que c'est des lieux de démocratie. Finalement, c'est les seules instances françaises où les juges étaient élus, donc plus depuis 2015. Ils ont même toujours été en avance sur notre démocratie. Les femmes, par exemple, ont voté aux prud'hommes et sont devenues des prudes femmes avant de voter en politique. Électrice en 1907, éligible en 1908, d'où des affiches électorales pour les élections de prud'hommes de femmes. Les étrangers, même non communautaires, votaient aux prud'hommes. Votaient, puisque Hollande a supprimé ça, privant donc les étrangers d'un des seuls droits de vote qu'ils avaient. Enfin, ce qui déplaît dans les prud'hommes, c'est qu'il se révèle finalement un excellent observatoire de la violence croissante du monde du travail. Ce dont témoignent d'ailleurs tous ceux qui ont assisté aux prud'hommes. Virginie Linhart, par exemple, au début des années 2000, puis Véronique Brocard, qui pendant 2 ans a tenu un blog des audiences et en a fait un livre en 2014. Ce que l'on voit au prud'homme, c'est l'inventaire à la Prévert des souffrances et des injustices. On voit aussi que plus personne n'est protégé par l'entreprise. Avant, on n'y voyait guère que des employés ou des ouvriers. Maintenant, il y a des petites cadres et bientôt des cadres supérieurs. On voit l'augmentation de la violence, l'extension de son domaine et la perversité renouvelée et inventive de ses formes. Donc, nés sous l'Empire, dans les flancs du capitalisme, c'était une expression d'un socialiste à la fin du XIXe siècle, les prud'hommes étaient devenus un outil de la démocratie et de la justice sociale et c'est pour ça qu'ils méritent d'être défendus. Voilà, et y compris contre les ordonnances actuelles. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur les prud'hommes, parce que beaucoup de choses ont été écrites et dites sur les prud'hommes. Simplement, la principale mesure de ces ordonnances concernant les indemnités aux prud'hommes. Aujourd'hui, c'est obligatoire, c'est un barème qui devient obligatoire avec un plancher et un plafond. Et si on prend un cas concret, quand un juge estime que votre licenciement, par exemple, est sans cause réelle et sérieuse, donc qu'il est abusif, vous aviez droit à 6 mois de salaire au moins. Aujourd'hui, ça tombe à 3 mois pour une personne qui a 2 ans d'ancienneté. Voilà, donc la mise en place de plafonds qui vont concrètement aboutir à réduire les indemnités, surtout des salariés avec des petites anciennetés qui vont se présenter au prud'homme. Mais bien sûr, mais c'est voilà. Ça le problème. Mais ce qu'on voit aussi, et ça c'est aussi assez bien documenté, notamment par Evelyne Cervera, on voit qu'il y a une baisse, il y a une tendance à la baisse, vous l'avez dit, de recours au prud'homme. Et tout simplement parce que pour aller au prud'homme, il faut un intérêt à agir. Si vous cumulez les CDD, que vous avez moins de 2 ans, mais ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte rien du tout à l'employeur. Et donc, ça le salarié. Rien du tout au salarié. C'est oui, ça. C'est ça. Mais lui, il sait très bien qu'il va pas y aller. Donc on voit bien que les gens qui vont aujourd'hui au prud'homme, ce sont plutôt des gens qui ont un capital financier, qui ont le temps de pouvoir le faire aussi. Alors pour terminer, je voudrais pas qu'on termine cette émission en donnant l'impression que tout le monde est contre tout. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à sauver dans ces ordonnances Macron? Ah, vous avez lu les 160 pages. Ah oui. Il n'y a rien à sauver. Ça dépend pour qui. Pour vous. Pour les patrons, on a bien compris. Pour les salariés. Pour les salariés, il y a, des miettes et un jeu vidéo. Je me permets de le dire comme ça. Des miettes, c'est l'augmentation de l'indemnité de licenciement légale. Celle quand le licenciement est fait dans les règles. On passe de 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, soit en gros 200 euros pour quelqu'un qui gagne 1000 euros. Par mois pendant un an, donc 200 euros par année, hein, pas par mois. Oui, donc ça fait vrai, c'est vrai. On passe de 1 cinquième à 1 quart, donc on passe de 200 à 250 euros, ça c'est la miette. Le jeu vidéo, c'est le code du travail numérique qu'on nous annonce pour 2020, voilà, qui pourrait être une... Voilà, c'est vrai que ça va être peut-être plus simple d'accéder aux règles, peut-être qu'il y aura une présentation un peu ergonomique, mais vraiment c'est...
c'est pas une blague, c'est pas idéologique là. À lire les avancées pour les salariés très précisément, il y a ces deux textes. Et puis, je crois, mais il faudrait que je vérifie, que le budget de fonctionnement du comité d'entreprise passe dans les entreprises de plus de 2000 salariés de 0,2 à 0,22% de la masse salariale. Ouais, quand même. Mais il faut que je vérifie, je ne suis pas complètement sûr de moi. Mais véritablement, il n'y a pas d'avancée pour les salariés. L'indemnité de licenciement, toujours dans le cadre légal, sera due à partir de 8 mois d'ancienneté et non plus 12 mois. D'accord. C'est important de le préciser. J'ai lu autre chose. J'ai lu qu'il y avait des dispositions qui facilitaient le télétravail maintenant. On pourra plus facilement télétravailler. Oui, non, non, mais c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai parce qu'en France, on est assez réticents. Enfin, les employeurs n'aiment pas trop le télétravail en France. Hein, donc, le management, en tout cas, ne l'aime pas. Donc, pourquoi pas? Ça peut aller dans le sens de quelque chose de bien. Mais et encore, l'employeur a toujours la main sur le télétravail puisqu'il peut refuser qu'un salarié télétravaille sous réserve. Aujourd'hui, c'est, en effet, ça, on pourrait dire que c'est une avancée sous réserve qu'il en donne les motifs. Alors qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut refuser. Sans donner les motifs. Voilà. Eh ben, non, mais merci de l'avoir précisé. Non, c'est vrai, j'avais oublié ce petit point sur le télétravail. Vous voyez, il y a des miettes. C'est mal lu. On est déjà à 3-4 miettes, là. Hein. Ça fait toujours pas un quignon. Non, mais je veux bien faire l'avocat du diable. En revanche, il y a peut-être une mesure qui est intéressante, c'est le droit à l'erreur administrative. On va voir. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'un employeur qui de toute bonne foi fait une erreur dans sa lettre de licenciement, parce que évidemment, dans une boîte, il n'y a pas une armée de juristes qui peuvent le conseiller. Donc, il faut voir comment ça va être, parce qu'on parle beaucoup du formulaire CERFA. Il faudra remplir des cases. Donc, évidemment, il va falloir regarder en détail ce que c'est. Mais ça peut être une avancée. Maintenant, il faut faire attention. Il faut que cette erreur administrative, elle existe aussi pour les salariés. Hier, il y a un rapport qui a été publié sur les fraudes. Et en fait, on voit que les salariés qui par erreur, ne déclarent pas une prime ou autre, peuvent se faire aligner beaucoup plus rapidement. Donc, il faut un droit à l'erreur administrative partout. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission, donc coproduite, je le rappelle, avec Alternatives économiques. L'émission, exceptionnellement, sera en ligne gratuitement sur le site d'Alternatives économiques et sur le site d'Arrêt sur Image pendant tout le week-end. Donc, si vous êtes abonné à Arrêt sur Image, je vous dis que vous pouvez aussi vous abonner à Alternatives économiques parce que l'information de qualité a un coût. Et vous pouvez le faire en passant par notre plateforme commune, La Presse Libre. Et si vous êtes abonné à Alternatives économiques, vous pouvez aussi vous abonner à Arrêt sur Image, toujours en passant par La Presse Libre. Il y a des tarifs préférentiels. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.